Bonjour mes petits camarades, nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er septembre 2022, c'est la rentrée des classes des petits enfants. Et dans le temps, enfin à mon époque, le jeudi c'était plutôt notre jour de congé nous. Allez, bossez bien les petits loupiaux. Un beau petit chemin forestier, qui est mignon comme tout. J'arrive à une des sorties, mais les fagnes, je connais pour l'avoir déjà pratiqué plusieurs fois, seul ou accompagné. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir où va ce chemin, parce que j'aime bien découvrir. J'adore découvrir les nouveautés. Et comme tous les chemins sont censés mener à Rome, celui-ci va me faire faire étape avant, tout du moins j'espère. Regardez la belle petite hutte, si elle n'est pas jolie. J'arrive de là. Et là, après des détours, des contours, me voilà arrivé sur la route qui me ramène à la tour du millénaire. Par contre, quand t'es là, t'es pas arrivé. Hein. Mais c'est le bon chemin. Comme je n'aime jamais rentrer par le même chemin, ben me voilà ici. Voilà. Comme ça, je vais arriver à la ferme Jacob pour casser la croûte. Quand t'as pratiquement fait 4 heures de rando, bah t'es bien content quand t'arrives là et que tu vois là-bas au fond les panneaux. À droite, la tour du millénaire. À gauche, la ferme Jacob. Ouais, ben voilà le repas d'aujourd'hui. Donc on commence par des sardines. Préparé à la main, connétable, aux échalotes de Bretagne. Une belle pomme, et puis un bon bout d'emmental, avec mon bon pain, regardez ça, ma flotte. Et puis voilà mon environnement, c'est bien tranquille et bien calme ici. Hein. On va déjà boire un bon coup. Par où ça passe. Bon, on va attaquer. Hein. Alors, je vais mettre un petit machin, un petit torchon en dessous de ma boîte de sardines parce que des fois ça fuit ces machins-là. Des fois ça fuit. Ah, moi, mon plaisir, c'est déjà de sentir à l'ouverture. Oh putain. Hey, les copains. Ah oui. On est en Bretagne, hein. On est en Bretagne, mon loulou, on n'est pas à l'emballe, mais on est en Bretagne. Hein. Oh la vache. Et puis, la taille est belle. Hein. Regardez-moi ça, la taille des sardines. Hein. Regarde mon loulou. Alors, ma bonne petite fourchette. La voilà. Allez, mon fifi, comme t'es tout seul, mon gros, bon appétit. Hein. Merci. Hein. Putain, j'ai une faim de boue. Mais pourtant, je boue bien le matin avant de partir, mais c'est encore pas suffisant. Ça. Il faudrait que je bouffe un bœuf ou quoi là. Oh, dis donc. Mmh. À me servir de serviette parce que je dois baver.
Ça t'étonne? Ben moi pas. J'étais pas avocat, mais on pourrait m'appeler le baveux. Oh la vache, qu'est-ce que c'est bon ça. Au poil, au quart de poil. Regardez ce qui reste. J'ai tout bouffé. Un peu de sauce, comme ça je vais tremper mon fromage dedans. Ça sera moins sec. Oh, ça se fait pas, mais je m'en fous. Je suis tout seul, je suis dans les bois. Ouais, puis je mange ce que je veux, et puis comme je veux, puis c'est tout. Regarde ça, la bonne sauce. La bonne sauce aux échalotes sur mon gruyère. Au moins, c'est pas sec. Bah, c'est pas tout ça, mais ça fait du bien, hein. Des fois, c'est une bonne croûte. Putain, j'avais faim. Peut-être qu'au fond de mon estomac, il y a un puits sans fond, c'est pas. Le truc, il gueule. Pourtant, j'ai l'habitude, hein. Et le soir, j'ai l'habitude, hein, à jeûner. Là, ça va. Le soir, j'ai l'habitude. Mais le matin, il a jamais été, hein. Eh bien, je me suis bien régalé, hein. Et puis, ceux qui pensent que ça se fait pas, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo, hein. En tout cas, moi, je me suis régalé comme personne. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Pour un bruit, pour un chat? On a un petit peu de vent qui se lève, c'est pas désagréable. Une bonne pomme. Et puis je vais finir mon pain avec. Pas de gâchis, hein. Il a dit, hein, c'est Macron, c'est fini l'abondance, hein. T'as qu'à bouffer comme moi, Macron. Tu verras ce que c'est. T'es un sale gosse gâté, et puis c'est tout. Une bonne pomme. Un petit quignon de pain. Et voilà. Ça vaut n'importe quel gâteau. C'est ma tarte aux pommes des bois. Et puis c'est tout.